Quand j'ai eu 35 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur jusqu'à quel âge je pourrais avoir des enfants. Je m'appelle Myriam Levin, j'ai 36 ans et je suis journaliste, cofondatrice du site Chic Magazine. Et je viens de publier un livre chez Flammarion qui s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand ?». La fertilité des femmes, elle est liée au vieillissement des ovocytes qu'on appelle ovules dans le langage courant. Et statistiquement, la qualité de ces ovules commence à baisser à partir de 35 ans. À partir de cet âge-là, c'est plus compliqué de tomber enceinte, on multiplie les fausses couches ou les complications. Et après 40 ans, c'est carrément quasi impossible, ou en tout cas très compliqué, d'avoir des grossesses spontanées. J'ai eu la chance pour ça d'être suivie par un médecin français qui m'a vachement accompagnée, éclairée, répondu à mes questions, jusqu'à ma décision donc de partir pour Barcelone. Une fois que j'avais fait les examens nécessaires, pendant 15 jours à peu près, 10-15 jours, j'ai fait des injections quotidiennes d'hormones, et le jour J, ils m'ont dit « c'est bon, vous êtes prête, vous pouvez sauter dans un avion, et on vous fait la ponction des ovocytes », c'est-à-dire qu'ils ont prélevé ces ovocytes qu'ils ont ensuite vitrifié instantanément. Ça veut dire en gros qu'ils les ont congelés et que je peux les garder le temps que je me décide ou non à faire des enfants. Je l'ai fait en Espagne parce que c'était pas possible de le faire en France et je me suis rendu compte que c'était quand même dommage qu'on puisse pas le faire en France, le pays pionnier de la PMA, alors que quasiment tous nos voisins européens l'autorisent. Il faut informer les femmes que cette possibilité existe, que les médecins français savent le faire, mais qu'ils ont juste pas le droit de le faire. J'ai commencé à faire des interviews d'historiennes, de psychanalystes, de sociologues, de médecins bien sûr, et en fait je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus vaste que ce que j'avais imaginé. De tout ça, j'ai fait un livre qui m'a accompagnée pendant cette année et qui j'espère pourra éclairer des femmes qui se posent toutes ces questions, les décider ou pas à le faire, parce qu'il n'y a aucune obligation, c'est un questionnement assez intime, personnel. J'ai vraiment élargi la réflexion et ça a nourri mon récit, qui n'est pas du tout qu'un témoignage personnel, c'est vraiment aussi une enquête et une réflexion sur les questions que se pose notre génération sur la maternité. Les médecins rappellent juste que ça ne peut pas être une solution miracle, que ça reste un plan B, et qu'on n'a jamais aucune garantie en vitrifiant ces ovocytes qu'on aura un bébé plus tard. Ça laisse juste une chance en plus d'essayer à la quarantaine d'avoir un enfant et que ça marche.